Riruban, c'est parti. Nadox qui a envoyé le premier lien, la première vidéo Riruban OMG. Voyons voir. Vidéo Instagram en plus. Mesdames et messieurs, je viens de mettre le sondage en bas à droite. Vous devez maintenant voter. Vous tapez 1 si vous avez trouvé ça drôle dans le chat. 2 si vous n'avez pas trouvé ça drôle. 1 ou 2. 1 ou 2. Je vous laisse voter, mais visiblement, ça a l'air d'être mal parti pour Nadox. Et malheureusement, Nadox, aïe, tu es le maillon faible de ce soir. Et bah désolé, Nadox qui va être banni du coup, vu que c'était à 80%, 83%, et bah tu vas être banni entre 24 et 48 heures. 162 305 secondes, ce qui correspond à 45 heures. Aïe. Désolé, mon ref. Mais normalement, lundi pourrait être là, je pense, non? Blaster. Depuis quand je vais banner un modo? Donc là, je fais quoi, Blaster? Je t'enlève de... En fait... Ok, vous savez, Blaster, t'as voulu jouer. Tu sais, on va faire quoi? Si c'est pas drôle, je t'enlève, modo, le nombre de temps sur lequel tu tombes. Ou bien, t'offres des subs. Tu préfères quoi? Des subs? Ok. Bon, les gars, vous savez que j'adore l'argent, mais si ça vous a fait rire, ça vous a fait vraiment fait rire, les gars, ok? Faites pas les bâtards non plus, ok? Et c'est parti. Ok, je vous explique cette blague de Mato qui m'a fait assez rire. Alors ici, l'élève, il met deux barres de part et d'autre de la tête triste pour la rendre égale à la tête contente. Et en fait, ces deux barres en maths, elles signifient la valeur absolue. La valeur absolue d'un nombre, c'est très simple, c'est sa valeur dans le positif. Par exemple, la valeur absolue de 5, c'est 5. La valeur absolue de moins 5, bah, c'est 5 aussi. On pourrait voir ça comme la distance de ce nombre à 0. Et donc évidemment, une tête triste, c'est négatif. Et en mettant la valeur absolue autour, on la rend positive. Bon, il y a peut-être que moi que ça fait rire, hein. Votez s'il vous plaît. Les gars, ça doit être on est à combien d'éditions de Riruban là? Je crois que ça doit être la... En vrai, sans mentir, ça doit être la 20ème édition de Riruban. Je crois que c'est la pire vidéo qu'on a eue. Je le dis maintenant, c'est la pire vidéo qu'on a eue. Bon, tu viens de voir la sentence. Donc je te laisse faire ta punition. Mais sache que dans ma tête, il y a un nombre minimal de subs à offrir pour égaler ces 85% de flop. J'espère que tu auras le compte bon, parce que sinon, je t'enlève quand même de modo. Et si tu ne comprends pas ce que ça veut dire, c'est que normalement tu dois offrir un sub par pourcent. Il en manque 80, Blaster. Il en manque 80. Hop. T'as voulu jouer. Il en manque 80, Blaster, maintenant. Non, je rigole. Merci, mon ref. Merci beaucoup. Mais en vrai, non, mais pause. Les gars, la vérité, il savait très bien, hein, il allait flop. Blaster, entre toi et nous et le chat, tu savais très bien que t'allais flop. Tu pouvais pas te dire. Ça va faire rire la majorité des gens. Tu savais très bien. En vrai, non. Frérot, il y a un mathématicien, il nous expliquait la blague. Il y a un mathématicien. Déjà, de base, dans une blague, quand quelqu'un te l'explique, ça devient tout de suite moins drôle. Et en plus, maintenant, imagine la personne qui te l'explique, c'est un mathématicien. Allez, on enchaîne. Lolo ? Lolo, tu veux tenter ? C'est quoi cette pépé, Lolo, putain de merde ? C'est quoi cette pépé, frère ? Elle va nous dégoûter des chats, frère. Ok, elle a balancé le lien. Regarde la cam, tire la langue, bouge pas ça bien. Ouais, je les bâtards. Ah non, putain, oh non. Votre abonnement à Adorant a bien été renouvelé. Oh putain. Fais des bisous si tu aimes ta mère. Cœur. Et la bite. On t'aime TK, vraiment. Merci beaucoup, Zezette. Putain, c'est quoi ça? C'est quoi ces profils depuis tout à l'heure? TK, c'est pas les 12 coups de midi, mais couscous tous les midis. Allez, c'est dur, le mode zombie, ça déchire celle-là. Salut TK, j'ai trop envie de mettre mon doigt dans ton cul. Votez 1 si ça vous a fait rire, 2 si c'est pas le cas. Soyez honnête. J'ai oublié de préciser, mais si je rigole, je dois offrir un sub aussi. J'avais oublié de préciser.
Et en plus, j'étais à deux doigts de rigoler. Lolo qui va peut-être partir avec un VIP. On rappelle que 80% des gens qui rigolent, c'est un VIP assuré. Et là, pour l'instant, on est sur 86%. Donc Lolo, c'est pas mal, Lolo. Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, je pense que nous pouvons maintenant le dire et féliciter Lolo le VIP et Grumfo les 15 subs. Eh ben GG Lolo, t'es VIP, ça y est, je te l'ai mis là maintenant. Le relag, on a peur de ce que tu vas nous cook, mais vas-y, les gars, soyons quand même un peu cléments. Votez. Soyez honnête. Est-ce que ça vous a fait rire? Soyez honnête. Un petit... C'est un rire, les gars. C'est un rire. Soyez pas aigris. Moi, Imo, j'aurais voté 1. C'était pas... Il pouvait y avoir un petit rictus et dans ma tête, j'ai rigolé. Stop! Mesdames et messieurs, malheureusement, nous allons devoir bannir. Aïe, 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 aïe. Le relax, nous allons devoir le bannir. On doit te ban entre 1 seconde et 24 heures. Peut-être que Lazare sera clément avec toi. Voyons voir. Ah, je sens que jusqu'à la fin de ce live, tu vas pas pouvoir parler avec nous, hein. Yes! Tu veux... Pardon. Bon, ben, le relag nous a quittés, les gars. Est-ce que c'est une grande perte? Non! Lorraine, OMG. Ok. Un clip Twitch. Là, c'était une époque où j'étais encore faible. Vous savez quoi? Je vais vous dire les termes ici. Je vais vous dire les termes. À un moment donné, elle a voulu jouer à « Je te donne un coup avec mes fesses ». Faut voir comment j'étais heureux, frère. Non, ça y est, je dis les termes. Ça y est, j'ai craqué. J'ai craqué. Faut voir comment j'étais heureux. J'étais au max. Sauf que j'avais pas le droit de dire qu'elle m'attirait un peu, tu vois, j'avais pas le droit de dire. C'est pour ça, carrément, j'en parlais à mes potes et tout, je leur disais, ouais... J'essayais de savoir, de tâter le terrain, si c'était normal d'être attiré par elle, donc je demandais à mes potes, ouais, tu penses quoi de elle? Ouais, elle, c'est trop un garçon manqué et tout, elle me fait trop rire, mais... Ça se voit, c'est trop un garçon manqué. Et moi, j'étais là, ouais, de ouf, de ouf, de ouf. Elle abuse des fois, genre, elle nous insulte et tout. Je sais pas c'est qui ce streamer, mais il est bizarre de fou. En tout cas, vous pouvez voter, les gars. Vous pouvez voter. Bizarre de fou ce streamer là. Oui bon c'était moi, ok, c'était moi. Oui bon voilà, j'arrive pas à le tenir plus longtemps, c'était moi les gars. Voilà voilà, c'était... oui c'était moi. Non mais attends, mais c'est trop. C'est trop, vous avez mis 80% à Lorraine, elle va rester VIP. Elle reste VIP genre là. Ah ouais, bah bien joué. Bravo. Elle reste VIP encore 4 streams, bravo. Explication? Y'a pas besoin d'expliquer, vous savez non? Vas-y je réexplique rapidement. En gros au lycée, il y avait une meuf, elle est... Franchement, elle est jolie, mais elle avait un comportement de camionneur. Mais elle était jolie. Mais elle avait un comportement de camionneur garçon manqué, tu vois. Et à une période du lycée, elle m'avait fait du rentre-dedans. Et même à un moment donné, carrément, elle jouait à fesse contre fesse, tu vois. Et moi, voilà, enfin, ça avait suscité quelque chose dans moi. Enfin, je vais pas refaire un dessin. En fait, c'est trop bizarre parce que cette meuf-là, elle était grave coquette. Mais genre vraiment, parfum qui sent grave bon, ongles qui shine et tout... Beau outfit et tout. Mais genre tu pouvais entendre un wesh, un bâtard qui sort de sa bouche comme as, tu vois. J'étais faible, d'accord. J'étais faible. Mini Draco, à toi de jouer. J'aime me beurrer la biscotte. Dépêchons-nous. Regardez capitaine, les bougnous. Alors les clandestins, vous vouliez rejoindre la France pour voler nos emplois et instaurer la charia, c'est ça? Et profiter des allocations chômage et porter des burkinis au Cap d'Agde? Ne nous laissons pas avoir, capitaine. Ce sont eux qui ramènent les punaises de lit dans notre pays. Votez. C'est mitigé, il faut voter les gars, il faut plus de gens qui votent, c'est mitigé. J'ai oublié de préciser, mais il faut minimum 55% pour être ban. Et on voit que notre très cher ami Mini Draco n'est même pas arrivé à là. Il reste parmi nous, mais de justesse. De justesse frérot, t'as de la chance. T'as de la chance. Parce que c'était limite, c'était la frontière. Hein. La zérouille, envoie frérot, envoie. Après, tu sais, moi les noirs, je suis leur plus grand défenseur. Hein. Non mais j'ai une preuve de ça déjà.
sais que j'ai une théorie de... Bon, je l'ai déjà dit dans le Discord, voilà. De... Si, par exemple, moi, ma théorie, c'est que, tu vois, si on inverse les spawns des Blancs, donc les Européens, on les fout en Afrique, et les Africains, on les fout en Europe, au tout début de l'histoire, bah, en fait, l'histoire, elle s'inverse. C'est pas une question de couleur de peau, tu vois. Genre, ça veut dire que les Noirs, ils seraient venus en Afrique, ils seraient venus nous coloniser. Alors qu'un raciste, ils auraient dit, oh, non, c'est dans les gènes, c'est la couleur. Ah non, pour moi, c'est les spawns. Je rêve où il a comparé des ethnicités à Call of Duty, là. Je laisse voter. Après, le problème, c'est qu'on se rend compte dans ce concept-là qu'on n'a pas forcément tous le même humour, quoi. Enfin, voilà, quoi, je... Bon, c'est ce qu'on se rend compte au fil du temps, avec les époques. Eh bien, malheureusement, tu vas être ban. 91%. Aïe, 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 aïe. Oh. Donc là, ça veut dire que tu vas être ban entre 48 et 72 heures. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. 62 heures. Pas grave, c'est le jeu, il accepte. Il accepte, c'est sport de sa part, c'est sport de sa part, les gars. Dommage pour lui. White Star ? White Star, il faut pas flop. Ok, il a balancé. Comment les pays réagissent à leurs crimes ? Je suis tellement désolé, terriblement, je m'encourage à te pardonner. C'est honteux ce que t'as fait aux Arméniens. J'ai rien fait. Et de toute façon, ils l'ont mérité, donc vous avez commis des crimes. Vous avez commis des crimes, hein ? Moi ? Oui, oui, vous inquiétez pas, j'ai les preuves. Allez, viens, viens, viens ici, là, que je t'encule. T'as pas honte de cibler les civils, c'est constitutif un crime de guerre, j'ai la Cour pénale internationale. Vas-y, va. Aztec, Maya, Inca, massacre des Indiens d'Amérique. Il ne s'est rien passé. Bah si. Il ne s'est rien passé. Bah non. Non mais la colonisation, c'était pour leur bien. Elle s'est tirée sur la foule. C'était pour tester le superbe hôpital que j'aurais construit. Elle travaille forcée, les villages rasés. Les routes, elles tiennent ou pas ? Crime de guerre, massacre, armes chimiques, millions de morts. L'esclavage en Afrique. C'était pas fou de pas. J'ai quand même tué des dizaines de milliers. Centaines de milliers, merci. Ouais, c'est du nettoyage ethnique. Pas du tout, c'est un génocide. Eh bien, oh bravo, belle frappe, c'est pas formidable les images. Qu'est-ce que c'est dur d'être une victime. Le japonais, il a failli m'avoir. Gomen, gomen. Mais vous, est-ce que ça vous a eu? En tout cas, pour l'instant, ça a l'air d'être un 2, mais ça va, c'est pas non plus Je pensais vraiment qu'il allait se prendre à 80%, quoi. Aïe, 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 aïe. C'est vraiment pas drôle. Ça dépend, en vrai de vrai, je comprends pourquoi ça peut le faire rire. Honnêtement, je comprends pourquoi ça peut le faire rire. Eh bien, malheureusement, tu vas être ban, mais ça va, parce que tu vas être ban entre 1 seconde et 24 heures, donc en vrai, c'est pas si pire. Et tu seras ban 47 851 secondes, ce qui correspond à 13 heures. Tu seras là lundi, tranquillement, en détente, White Star. Voilà. Tu connais. On enchaîne. Manga 47. Il a envoyé un pin. C'est quoi ce lien, frère? Je vais cacher au cas où, j'ai peur. Ah, c'est Pinterest, mes frères. Bon, votez. Faut mettre du son. Bah, il y avait du son, mais votez, votez. Bon, faut que j'oublie de pas mettre des musiques libres de droit. Copyright. Aïe, 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 manga. Tu l'as vu toi-même, tu l'as compris toi-même que malheureusement ça ne suffira pas. Aïe, 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 aïe. Mais tu ne seras pas, tu ne prendras pas la peine maximale. Tu vas prendre la peine milieudale, ça ne se dit pas, mais je le dis, entre 24 et 48 heures de ban, donc au mieux t'es là pour lundi, au mieux, lundi tu ne seras pas là et tu seras là mardi, mais je pense que tu seras là 25 heures, tu seras là lundi 25 heures, salut à toi, bonne continuation. Un AFC, les AFC sont-ils drôles? Votez 1 si c'était drôle, 2 si ça l'était pas, votez 1 ou 2. Les AFC sont-ils drôles ou pas? Pour l'instant, ça a l'air d'être un oui, hein. Pour l'instant, le seul AFC a l'air d'être drôle. C'est quoi un AFC? C'est la team de Femi. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, les amis. Hop là, les votes sont clos. Tu restes parmi nous, deux amis. C'est pas assez pour avoir un VIP, mais... T-Sec, mon ref T-Sec. Envoie ton petit lien. Ok, on a un petit TikTok. Les gars, quand c'est pas vous, n'envoyez pas de lien, merci. Pauvre, quand Spencer paye sa copine. Vas-y, commande, commande. Ouais, 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 tu dépasses pas ça, tu dépasses pas 10 balles, hein. Je vais bien quand même, voilà. Ciao, 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 on va plus cher. Sympa les trois vidéos sur lesquelles on s'est arrêté. Votez. Ant, il a un rire en cric de moto, hein. Mais est-ce que ça vous a fait rire? Et je vois que pour l'instant, c'est un non. Assez franc, parce que c'est un non à 75%, en fait. Ça, on est aigri. Pense pas non plus, hein.
on a quand même juste avant enchaîné deux vidéos qui vous ont fait rire. Donc je pense pas que vous soyez aigri spécialement. Et bah malheureusement, aïe, Tisek. Tu vas devoir être banni. Mais bon, entre 1 seconde et 24 heures, donc ça devrait aller. Combien de temps? Ok, bon tu seras quand même là lundi, mais tu peux plus parler pour ce soir. Tu peux plus parler pour ce soir, mon ref. Dexy, qui a une photo que j'ai envie d'oublier, frère. Je veux oublier cette photo, en fait. Sorry. You speak English, yes or not? Yo, Zali, bon matin, yo. What je ne speak pas English. Oh. You speak English? Je ne speak pas English. You speak English? Bro, you speak English? On est en France. Sorry. Just ask for the money. For the money. Descends, arrête, tu suis moi encore, tu vois. I follow you. Tu fais le problème. Get me. My money, please. La Roberta, oh, tu me cherches le problème. Hein? Hey, calm down. Désolé. Désolé, papa. Obedinga. Il a capté. Hey, le tonton là, il a été énervé direct, hein. Il lui a juste posé une question, you speak English? De comment ça, you speak English? On est en France, oh. Wesh. Des daddies bien énervés directement. Et B, il y en a, je pense, ils font pas assez l'amour, hein. La vérité, c'est la solution à beaucoup de problèmes, les gars. En tout cas, ça a l'air de vous avoir fait rire. Et ça pourrait même passer Dexy en VIP. Ça pourrait même passer Dexy en VIP, mesdames et messieurs. Et c'est effectivement ce que c'est en train de faire. Aïe. Bah bien joué. VIP pour Dexy, OMG. Aya qui joue? Aya qui veut jouer? Et Aya, elle met un clip Twitch. Ok. Oh, ça c'était un cri, ça. Ça c'était un cri, ça. Oh, comment je sais, les gars? Comment je sais après? Comment je sais? Comment je sais, les frères? C'est bon? Oh, putain de merde, oh, ferme-moi ça, bordel de nous. Je pensais trop y aller avoir un screamer dans le truc, mais ses réactions sont légendaires. 144 de BPM tout le long, et B, fait mi quand il crie. Et bah tu restes parmi nous, Aya. Bien joué. Adam. Ah ouais, Adam, il a pas perdu de temps, il l'a envoyé direct. Moi, je vais être honnête avec toi, tu me plais. Quoi? Je suis amoureux de toi. Ah non, mais c'est pas possible, t'es comme un frère pour moi. Un quoi? Un frère? Oh. Ça va? Roy, ça va? Écartez-vous, je suis médecin. Écartez-vous de mon patient, mademoiselle. T'es comme un frère pour moi. Le diagnostic est sans précédent. Je crois bien qu'il vient de se faire frère zone. Docteur Murphy, on a un patient de 23 ans qui vient de se faire méchamment bâcher par une femme. Docteur Murphy, bon sang! Oui, faites une perfusion de confiance en lui. Faites-lui. Comme vous pouvez le constater ici sur ces radios, le patient s'est fait frère zone ici, ici et là, à ce niveau particulièrement. C'est une bite? Oui. Vous avez rien vu venir, il n'y avait pas de signe avant-coureur. Je sais pas moi, est-ce qu'il était pas un peu trop tactile avec vous? Non. Mais pas, même pas des petites vannes de cul? Non. Rien du tout. Bon, si jamais je suis disponible, on peut se voir. Docteur, j'ai fait une terrible découverte. La femme qui l'a friendzone. Oui. C'était son ex. Non. Non. Mais quelle pute. Moi, je vais être honnête avec toi, tu m'appelles. Très fort. Voilà ce qu'on veut entendre. Ça, c'est réel, ça. En tout cas, ça a l'air pour l'instant de partir sur du 80% et donc un VIP pour toi, Adam. Incroyable. Les gars, vous êtes déjà pris cette phrase-là ou pas? Ou t'es... Est-ce que vous êtes déjà pris la phrase « T'es comme un frère pour moi ou t'es comme un ami pour moi ?» Vous êtes déjà pris cette phrase ou pas? Moi, la vie, je me la suis jamais prise. Hein. Ça, elle doit piquer quand même, cette phrase. Bien joué, en tout cas, Adam. T'es VIP, mon ref. Bénise. Ah là là, Bénise aussi. À l'affût. Tiens, ta gueule. Explique-moi, ils ont fait quoi? Explique-moi. Ils quand j'étais au rôle, ils n'arrêtaient pas de me prendre le ballon. Mmh. Et ils prenaient tout le temps de temps, ils croyaient qu'il était les chefs. Vous avez perdu? Oui, vous avez perdu combien? On a perdu beaucoup de matchs. Ah ouais? Mais toi, t'as marqué ou quoi? Non, un but. Ok, mais c'est bien un but déjà. S'il te plaît, Jobias, parce que je t'aime beaucoup. Tu peux arrêter de pleurer, s'il te plaît? Est-ce que tu peux me faire la moula pour moi?
Merci Joubias. Et la moula. Et la moula. Et la moula. Ok, merci Joubias. Merci. Tiens, 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 tiens. Et la moula. Et la moula. Et la moula. Votez les gars. Cette vidéo est un classique. Si vous l'avez pas vu, un classique. Ouais, elle est connue celle-là, elle est connue. Elle est connue. Mais on l'a pas eu trop eu. On l'a pas trop eu sur Irouban, donc elle est pas dans les interdites. Par contre, si on commence à trop la voir. Voilà. Taper 1 si c'était drôle, 2 si ça l'était pas. Peut-être un VIP qui se prononce pour lui, peut-être pas. Attention. Et tu restes parmi nous. GG mon ref. Tu restes parmi nous, tu restes parmi nous. Voilà. Pas de feinte. Par contre, malheureusement, pas de VIP. Mania. Ok. T'as de la chance, t'as envoyé vite. Ok. The guys. Okay. Carrément, j'avoue, on peut tomber enceinte. Hein. À ce stade-là, autant tomber enceinte nous-mêmes. C'est réel, zam zam. Bon, votez. Ah ouais, elle a mis une patate dans le truc, frère. Oh, à quelques pourcents près, t'aurais été VIP. Aïe, 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 aïe. Et non, on n'arrondit pas ici. Et même, non, on n'arrondit pas. Pas de VIP. C'est 80% on a dit. Aïe, 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 aïe. Mais bien joué, dans tous les cas, tu restes parmi nous et tu n'es pas ban. Guido. Guido, Guido, Guido. Elle est si fragile, est une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Ok, tout le monde, il y a la fusion parfaite entre NASA et SADEC qui vient d'arriver. On a besoin de toutes les équipes sur le coup, là. Salut. Bonjour, soyez compréhensifs, s'il vous plaît. J'ai une femme et trois gosses. J'en ai rien à foutre. Je suis pas la CAF. Je vous écoute. Il va me falloir 400 nuggets, 43 filets aux fiches et 37 coca. Mais ton trou de balle, c'est les eaux usées à ce niveau-là. Et t'as de la chance, aujourd'hui, je suis en diète. Mais de quelle diète tu me parles? Tu bouffes comme 4 gorilles. J'ai l'impression de discuter avec Ronflex. T'es aussi vilain que Pierre Fabec. De quoi tu me parles? Chef, je suis au courant que le client est roi, mais comment on fait si le client, c'est un Range Rover humain? Qu'il aille se faire foutre. En plus, il est blacklisté dans tous les drives de France, ce tocard. Je suis désolé, mais le service client, il est pas top ici. Il veut pas fermer son claque-merde, ton pote. Écoute, moi ce que je peux te proposer, c'est que t'ailles te faire un Pokéball chez les bouffeurs de graines. Envoie un petit wrap au moins, non? Allez, casse-toi, avec ta pauvre bagnole là, tu vois pas qu'elle en peut plus. Les suspensions, elles font du gainage toute la journée là, tu roules sur les jantes. Qu'est-ce que t'as? Tu me fais le gladiateur là. Avec ton gros front là, on peut faire un five dessus. En plus, c'est barré dans une campagne. Crary le McDo, il est... Crary le McDo, c'est un urbex. Votez, les gars, votez, les gars. Non, mais Imo, l'autodérision, pour moi, c'est au-dessus de l'humour noir. L'autodérision, c'est trop au-dessus de l'humour noir pour moi. Savoir faire rire en te moquant de toi-même, c'est trop une dinguerie. Dans tous les cas, mesdames et messieurs, nous allons peut-être avoir un autre VIP. Nous allons peut-être avoir un nouveau VIP. Stop! C'est le cas, mesdames et messieurs, pour... Wesh, on a mis combien de VIP aujourd'hui, frère? Au moins 4 ou 5, je crois, hein. Bien joué, mon gars. Bravo, bravo, bravo. Shadow Wolf. Mon gars, le baiser. Ok, faut voir le TikTok. Et les gars, c'est pas le nombre qui fait l'armée, c'est la qualité de l'armée qui fait qu'on pourra gagner. Mais ta grand-mère, alors... bien sûr que c'est le nombre. Si on était plus que, on gagnerait. Mais ta mère, fils de... Ta mère, la... qui mange une noix de cajou, je t'emmerde. Mais ta mère... Pute, va! Mais encourage les Français, on s'en bat les couilles! Ah putain, ta race, c'est que ta calvitie cachée! Oh les bâtards! Cet audio, il est très très fort. À chaque fois, je suis dans des trucs comme ça. S'il y avait Paris Roban, j'aurais explosé de rire déjà. Mais cet audio, quand tu le couples avec des trucs comme As, c'est fort. C'est fort en chocolat carrément. Ah non, me dites pas, on va remettre un VIP doucement, hein! Je veux bien qu'elle soit drôle, mais doucement, les gars! Bon, dans tous les cas, ça fait une minute. Pas 80%, mais dans tous les cas, Shadow Wolf, t'as fait rire la majorité du chat. GG à toi, frérot. Ça, tu peux en être.